Salut tout le monde, c'est Nana et aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode 10 de Chrono Trigger. La dernière fois j'avais perdu face au boss et donc j'ai entre temps quelque peu farmé, je me souviens plus où est-ce qu'on en était, là je suis level 10, il semble qu'on était, je sais plus, j'ai dû gagner quand même 2-3 niveaux, donc on va réessayer ce boss. Ok. Exécution du programme de sécurité. Chrono, que se passe-t-il? Marle, allons-y. Ok, alors. Étant donné qu'il a tendance à régénérer les deux petits robots. Aïe, il attaque. Gardien, on va essayer d'en tuer un. Ok, et on va laisser l'autre parce que sinon il va régénérer les deux. C'est toujours ce genre de boss. Là, on va y aller à fond dès le début. Voilà. Comment qu'on a plus besoin là? Ça fait 89. Je vais essayer l'autre puisqu'il y a aussi ici. Il y a aussi Rafale, je crois, qui. Ouh, il prend cher Chrono. Ok, le feu lui fait rien. Ça soigne pas mal quand même. Ok, on va essayer Rafale. Puisque ça fait rien, bon, on va attaquer normalement. C'est peut-être que ça fait moins de dégâts. Donc on devrait utiliser la. Ok, le corps à corps le plus efficace. C'est pas mal. Marle devrait continuer à nous soigner. Mais ça sera pas suffisant. Non, Chrono, toi, tu dois attaquer avec Cyclone. Ah, est-ce que j'ai dû... Je sais plus, il me semble que c'est le... L'eau d'Athéna, non, le panacé peut-être. Non. Voilà. Attends, un objet, une potion, tu attaques, je sais pas combien de vie, faudrait que je regarde. Non, oui, toujours une potion, non. Toi, ton but, c'est d'attaquer. Sûrement vous faites beaucoup de potions, mais ça va le faire. Le tout, c'est de savoir si je vais en avoir assez. Donc, je peux réanimer qu'une seule que deux fois. Ah, j'aurais dû en acheter plus. C'est quand même un sac à PV ce truc. Comme tous les boss, en plus il fait super mal. Pour l'instant, Marle sert uniquement à détruire des potions. Ok, ok. Je suis plutôt concentré là. Désolé si je parle pas trop. Ah. Il me semble que les chronos, je pouvais voir la vie des ennemis. C'est bizarre. Peut-être que je peux pas le voir parce que c'est un boss. Non, je suis avec Chrono. Je vais m'attaquer.
pied, j'arrive pas à voir. En plus, je dois bientôt être à court de MP là. Moi, je dois bien avoir un état quelque part. Il se concentre vraiment sur Chrono, sérieux. Mais en même temps, ça m'arrange bien quand même. Ok, non, ça c'est Chrono. Toi, tu attaques. C'est ton job. Juste encore une fois, est-ce que j'ai vraiment pas assez farmé au cours du jeu, sérieux? Ok, ça vient plutôt critique. Je vais bientôt tomber à court de potions. C'est mauvais ça. Mauvais. Ok. Mettons plus de potions. Ah, elle est vraiment pas très en forme. Je peux encore faire du cyclone. Potion sur toi-même pour une fois. Ah, d'accord, la contre-attaque. C'est pour ça que Chrono il prend cher. Couramment j'attaque avec personne d'autre en fait. Ça doit être une bonne stratégie. J'ai un cours de potion. Ok. Chrono. Ah, ça coûte que 2, ok, c'est pour ça. C'est pour ça que je peux en faire autant. Il va peut-être falloir que je donne un éther. Enfin, on n'est pas dans Final Fantasy, ça doit porter un autre nom. Je suis pas assez, c'est ça. Je suis sûr que c'est ça. Non, c'est pas ça. En tout cas, que je vous donne ma dernière potion. Bon, mal à de quoi soigner, mais. Critique. Dans une situation absolument critique. Bah, tu vas attaquer aussi. Ça t'aime aussi les MP, c'est cool. Ouah! Franchement, j'étais un rude combat. J'avais plus de potions. Oh! On a réussi! Bonne nouvelle. Ah, 300 points d'expérience. 1000 gold. Un petit level. Ça fait plaisir. Allez, on continue. Pouah! Quelque chose pue! Horrible. Tout est pourri. Le courant devait être instable. Chrono, regarde! Il ne respire plus. Il y a quelque chose dans sa main. Qu'est-ce que ça peut bien être? On dirait une sorte de graine. Des graines? Tu penses qu'elles peuvent pousser dans un endroit pareil? Une graine, rien, ah, un éther top. Ok, là, ah, il y a un mot rédigé sur un papier sale. Ce rat n'est pas qu'une simple statue, il connaît le secret du dôme. Attrapez le rat sur les poutres métalliques. Ah. Et tout, il n'y a rien d'autre. Bon, faut que j'attrape ce rat qui était sur les poutres, il est là. Le voilà, c'est lui. Chut, il pourrait s'enfuir.
Courra. Ok, faut que je l'attrape. Il court beaucoup trop vite. Faut essayer de l'avoir par surprise. Est-ce qu'il me voit de loin? Est-ce qu'il est parti? Je le vois plus. Mais je sens que ça va pas être une partie de plaisir. Je sens que ça va pas être une partie de plaisir. Je sais même pas où est-ce qu'il est. You. Je suis au bord là. Je le vois plus. Il est où? De l'autre côté. Ok. Ouais. Ah ah! Je te tiens. Pardonnez-moi, Chou. Je vous dirai tout, Chou. Pour accéder au passage secret, Chou, maintenez les boutons L et R enfoncés, puis pressez le bouton A pour activer le courant. Cependant, si vous changez la combinaison des boutons, les commandes changeront en conséquence. Tchou. Quel courant? Ça doit être une pièce précédente. On a dit L et R, puis le bouton A. Ok. Essayez de réactiver le courant. C'est là. L, R, A. Ok, va aller maintenant. Ok, encore des ennemis. T'es quoi toi? Juste des ennemis de base. On va tenter de buter Lara, puis après on va tenter de buter lui. Je suis en très mauvaise posture là, je ferais mieux d'aller me soigner avant de continuer. Mais bon, ça c'était facile. On va vite fait aller se soigner quand même parce que. Je vais peut-être aller acheter des potions. Ce serait peut-être une bonne idée. Voilà. Toute la nourriture est pourrie donc on a toujours autant la dalle. Passer là tout de suite. Toujours mage. Bon, je t'achète des trucs, qu'est-ce que t'as? Je connais pas cette monnaie. Bon, vas-y, raboule. Bon, des potions, on va en acheter 21. 21, on va en acheter 2, 3. Et tant j'en ai déjà. Oui. On va vite fait sauvegarder. Bon, très bien. Alors, oui, faut qu'on y retourne. Ok. Ah, ils ont repop. Bon, c'est pas grave. On les ignore. Oh, il y avait un coffre. On les ignore pas. Oups. Bon. Truc un tueur de rang, on va commencer par là et on va finir par lui. C'est bizarre ce bug qui fait disparaître la fumée. Ouais, léger lag, c'est bizarre. Ok. Bon, pour l'instant ils sont très faibles. Ils font pas très mal. Bon, poursuivons. Encore un Nether Top. Faut des insectes. On va essayer d'éviter le combat comme d'hab. Ou pas. Bon, 89. Ça devrait être réglé en 3 tours. Même pas.
2. Et voilà, ça va être réglé. Ah, qu'on peut pas grimper là. J'aime pas ces robots, ils sont assez chiants à tuer. Il y a d'avoir un truc ici. Il veille, il veille. Oula. Je sais pas trop où est-ce que je vais. Cette salle-là, c'est grande. Bon, allez par là. Voilà le centre d'information. Génial. L'ordinateur est encore en état de marche. Si nous lançons une recherche sur les distorsions temporelles, nous trouverons peut-être l'emplacement d'un portail. Voilà, c'est ici. À l'est du dôme d'Aeris, où nous sommes maintenant. Ok, c'est ici. C'est au dôme de Prométhée, je suppose. Ah, ça c'est tout toi, Luca. Tu réussis à trouver tout ce que tu veux avec cet appareil. Dis-moi, en appuyant sur ce bouton, que pourrions-nous apprendre? Sérieusement? L'an 1999. Archive du jour de la Vos. Une faille qui s'est ouverte. Il y a un truc qui en sort. Une pluie. La pluie de la destruction. La pluie de l'apocalypse s'abat sur le monde. Qu'est-ce que c'est? La Vos? C'est ça la source du cataclysme qui a détruit notre monde. Est-ce que c'est ça le boss final? Donc, comme on le craignait, ceci est notre avenir. Non, c'est horrible. Je refuse d'y croire. Comment cet endroit peut-il être notre avenir? Chrono. Il n'y a qu'une seule chose à faire. Nous devons changer le cours de l'histoire, comme Chrono l'a fait quand il m'a sauvé. Tu es d'accord, Luca? J'ai pas dit que ça allait plus Lucha parce que Luca ça fait trop mec. Tu es d'accord, Chrono? D'accord. Heureusement, les portails nous permettront de passer d'une époque à l'autre. Qu'en dis-tu? On essaye, Chrono? Bah, évidemment. Je me demande ce qui se passe si on tu mets. Allons-y, Chrono, Lucha. Ensemble, nous pouvons le faire. Et on est juste trois glandus venus d'une époque médiévale et on veut sauver le futur. Ah là là là. Alors, dépêchons-nous de retourner à notre époque pour faire des recherches supplémentaires sur les activités de Lavos. Prochain arrêt, le dôme de Prométhée. Ok. Donc, il faut aller au dôme de Prométhée.
Ok, je voulais juste savoir ce qu'il y avait. Ce qu'il y est bloqué, donne sur nulle part. Ok, d'accord, sympa, merci. Je vais voir la petite console qui est là. Elle s'accède. On peut y aller d'ici. Qu'est-ce qu'il fait? Ah, blason mystérieux et gravé. Il semble scellé par une force inconnue. Ok. Non, comment j'ai réussi à tous les esquiver jusqu'à maintenant? Bon, eux ils sont pas dangereux. Bon, ça doit être sur un combat, je pense que c'est là-dessus qu'on va se quitter, hein. Une fois que ce combat sera fini. Ça va pas être trop long. Surtout, n'hésitez pas à dire si vous voulez que je zappe les combats, hein, parce que pendant les combats, je sais pas trop quoi dire. Donc, si vous trouvez que c'est trop long et que vous voulez que je les zappe, mettez-le en commentaire. Donc, c'est sur cette victoire qu'on va se quitter. C'était Nana. À la prochaine!